going to teach you a verb that can be used four different ways in French. It's the verb foutre. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous apprendre un verbe, le verbe foutre, qui peut être utilisé de quatre façons différentes. Hi, this is Rachel DeMeo, founder of Belterre Academy and native French professor. Bonjour, c'est Rachel DeMeo, fondatrice de Belterre Academy et professeure native de français. So the verb foutre can be used in a very derogatory and cussing type of way, but it also has other meanings that aren't at all derogatory. So I want to teach you all four of those. Donc le verbe foutre en fait peut être utilisé de façon très agressive, très en gros mots quoi, mais peut également être utilisé d'autres façons, de trois autres façons différentes. Donc je vais vous expliquer les quatre façons en tout que ce verbe peut être utilisé. So the verb foutre in its raw definition is really the word. So unfortunately, when it's used in that kind of context, it can be very offensive, as you can imagine. Donc le verbe foutre peut vraiment être un gros mot pour dire, voilà, vous avez compris. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai que ça peut être assez offensif. But it's not only used to say to have a sexual report, that's only one way that it's used, and that's really it's used a lot that way, but that is really the equivalent of the English word. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser vraiment quand on parle d'avoir des rapports sexuels avec une personne, mais c'est vrai que c'est juste une façon dont il est utilisé, mais c'est vrai que c'est utilisé souvent, et bon voilà, c'est gros quand même comme mot. So second way this can be used is it can be used to say you are possessing someone, so to speak. And that's not used as much, but it can be used that way as well. La deuxième façon que c'est utilisé, c'est de dire de posséder quelqu'un, charnellement, entre guillemets. Hein. Donc, c'est vrai que c'est moins utilisé de cette façon-là, mais c'est vraiment cette possession de posséder quelqu'un. Second way it's used, and this can be common as well, is to mean to kick or to throw. Par exemple, foutre un coup à quelqu'un. Foutre un coup à quelqu'un is like to hit someone. Donc également le verbe foutre peut dire de vraiment donner un coup à quelqu'un. Donc ça peut être comme soit jeter ou soit vraiment de une action physique quoi. So that way is used as well fairly often. So again, it just depends on the words that are around it and the context to let you know how it's used. Donc en fait, quand c'est utilisé comme ça, en fait, ça dépend du contexte comment c'est utilisé. Donc vraiment faire gaffe aux mots qui sont autour. And the fourth way that this word is used is to say something to do. So, yes, to do someone, it can be used that way as well, but it's to do something. That's the way it's the most used. Donc, également, le verbe foutre veut dire faire. Donc, ça peut vouloir dire faire ou se taper quelqu'un, hein, ou bien faire une chose, une activité. C'est ça, en fait, que c'est utilisé le plus. So, foutre, when you say, ah, oh, qu'est-ce qu'il fout? It's like, what is he doing? Donc, quand on dit par exemple foot, c'est de dire ah qu'est-ce qu'il fout, c'est genre qu'est-ce qu'il fait. So if you're using it in that scenario, it is still like saying like what the is he doing, but it is used very frequently. And so that fourth key is the way that the word foutre is used the most. And it's not necessarily implying anything sexual at that point. It's just saying something that a person does. Donc en fait, le verbe foutre utilisé dans ce contexte-là, cette quatrième façon est la façon que c'est le plus utilisé. Et donc, en fait, sachant cela, on peut l'utiliser pour dire qu'est-ce qu'une personne fait. Et c'est pas utilisé en tant de quoi que ce soit de sexuel. C'est vraiment plutôt qu'est-ce qu'il fait. So I hope this video is useful to you. Share it around. I'm sure a lot of people don't know this word and or how it's used, but it's used frequently in France. Like the video, subscribe. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Partagez-la parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas les quatre façons qu'on utilise le mot foutre. Et abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. À très bientôt les amis. Ciao.